Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous ça va pas du tout, on a perdu nos chats, ils se sont échappés de notre maison. Ouais. On a ouvert la porte, enfin Valentin a ouvert la porte. Bah, toujours de ma faute. Et là d'un coup les chats se sont échappés, du coup avec Lily Rose on les cherche dans tout le quartier. Là on cherche dans cette rue où il y a tous les arbres, peut-être qu'ils se sont cachés dans... Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur. Oh, aidez-moi s'il vous plaît. Mais vous aidez à faire quoi? Qu'est-ce que vous faites dans la rue comme ça? Bah, vous m'invitez chez vous. Non mais on peut pas vous... On va pas... Non mais on va pas non, non, chez non, nous. Hein. Bah, bon, non mais pourquoi vous demandez ça? Bah, je vous reconnais. Comment ça, vous nous reconnaissez? Mais vous me reconnaissez pas. Vous êtes un abonné? Non. Vous regardez nos vidéos? Je suis votre grand-père. Notre grand-père? Comme c'est bizarre. Mais comment ça, vous êtes notre grand-père? Oh, quelle coïncidence. Non, non, mais vous êtes... Non, mais non, vous êtes pas notre grand-père. Vous ressemblez pas à notre grand-père. Bon là, non mais attendez, monsieur, non mais je suis désolé monsieur, on n'a pas le temps. Bien le frère de Lily Rose. Non, je suis pas le frère de Lily Rose. Oh, pourtant non, tu y ressembles. Je vois pas de quoi vous parlez monsieur. Je vois pas de quoi vous. Non mais écoutez, écoutez monsieur, est-ce que vous avez vu deux petits chats, un gris et un noir? Oh, il me semble oui que je les ai vus justement. Oui bah si vous voulez aidez-nous à les chercher, mais nous on a vraiment pas le temps monsieur. Ah oui mais d'abord il faut que je pose mes affaires quelque part. Non, mais en tout cas vous devriez pas attendre dans la rue à votre âge, c'est pas bien. Non mais voilà, chacun part de son côté. Non, chacun part de son côté. Ah bah non, je sens que ce vieux il va être ultra embêtant là, il va nous suivre pendant qu'on va chercher. T'imagines c'est notre vrai grand-père. Attends c'est bon. Mais non mais c'est pas notre grand-père Valentin. On le reconnaîtrait quand même. Bon les amis, on va continuer à chercher le chat, les chats plutôt, parce que les deux se sont échappés. J'espère qu'il va pas nous suivre. Toujours pas de nouvelles des chats. Merci. On les cherche dans tous les buissons. Là, on est dans une espèce de jardin dans la rue, comme ça. On essaie de les chercher parce qu'ils aiment beaucoup se cacher dans les feuilles, comme ça. Mais toujours pas de nouvelles. On commence à être ultra inquiets. Lily Rose et Peppa Pink sont partis les chercher en dessous des voitures. Là, il y a plein de voitures qui passent. J'espère qu'ils vont pas se faire écraser. Et nos voisins. Oh non, Valentin. Regarde, il est de retour. Vous êtes là? Oui, mais... Je crois avoir vu des petits chats. Comment ça? Oui, ils se baladaient quelque part par là. Vous avez vu des chats? Oui, quelque part par là, là. Vous êtes sûr? Ah oui, j'en suis certain. Mais il faudrait... Oh, j'ai soif. Il faudrait que je bois un petit coup. Vous auriez pas de l'eau chez vous, là? Ouais, faudrait aider Esteban, gars. Mais non, mais... Si, il faut. Je suis sûr qu'il nous ment. Non. Je suis sûr qu'il a pas vu les chats. Mais non, je vous mens pas. Mais je suis sûr mais que... Je suis sûr que je suis votre grand-père. Ils étaient de quelle couleur, les chats? Je crois qu'il y en avait un noir et qui s'appelait... Totus, enfin bon bref. Non, il est en train de mentir là. Le chat, il s'appelle pas Totus. Il est en train de nous mentir, Valentin. Je sais pas. Non, non, en plus il dit qu'il est notre grand-père, mais il est pas notre grand-père. Mais oui, mais si, je suis votre grand-père, vous me reconnaissez pas. On va l'aider. Venez avec moi. Trop gentil là. Venez avec moi. Je vous dirai oui. J'espère que c'est vrai que vous avez vraiment vu nos chats et que vous allez nous aider, parce que. Je les ai vus par ici. Bon les amis, on va l'amener chez nous, mais je le sens pas du tout. Je suis sûr qu'il va pas nous être utile du tout. Pour retrouver les chats là, ça sent très mauvais cette histoire. Vous pouvez rentrer mais je vous préviens, vous touchez à rien, d'accord? Je vous promets, je vais rien toucher. Et vous, je vais boire un petit coup quand même. Voilà, vous buvez juste un verre d'eau. Et puis après je vous aide pour trouver les chats. Et ensuite on retrouve les chats, d'accord? Pas de problème, allez. Bon allez. C'est où? C'est là, bah oui, c'est cette porte là. Bah c'est bizarre parce que notre grand-père il est déjà venu ici, et là vous reconnaissez pas du tout. Ah bon? Oui, bon allez, allez-y rentrez. Allez, Valentin, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Rentrez un peu, monsieur. Rentrez, installez-vous. Je lui fais pas du tout confiance. Mais pourquoi? Mais je sais pas, il a l'air... Notre grand-père, il est déjà venu ici. Lui, on dirait qu'il découvre la maison, il connaît même pas la porte. Il a une mauvaise mémoire, c'est tout. Non, je suis sûr que c'est quelqu'un qui se fait passer pour notre grand-père. Il dit qu'il a des informations sur les chats, tout ça, mais en vrai, il a rien, ça se voit. Ça tombe, c'est juste un voleur. Il était dans la rue comme ça. Il était perdu, il s'est dit je vais rentrer chez des gens, je vais prendre des trucs et je vais sortir. T'es sûr de toi? Tu penses? Oui, ça tombe, c'est un voleur, donc vas-y. Mais on vient de le faire rentrer. On va aller le surveiller. Bon, ok. Mais c'est de ta faute, je te rappelle. Oui, bah. Bon, allez les amis, on va lui servir un verre d'eau. Et s'il a rien à dire sur nos chats, c'est dehors tout de suite. Bon, c'est bon, maintenant vous avez bu un peu d'eau. Merci. Attends, je finis mon verre quand même. Non, mais vous pouvez nous donner les informations sur les chats maintenant. Oui, s'il vous plaît. C'est joli, c'est où? Chez vous, chez toi Esteban? Oui, c'est joli ici. Oui, là, oui, je oui, peux oui. visiter avant de retourner dehors. Mais pourquoi vous voulez visiter? Tu peux me tutoyer, tu sais. Non, écoutez, monsieur. Écoutez, monsieur.
Écoutez, écoutez. Oh, tu veux aller, là, tu nous fais visiter. Mais non, mais on doit retrouver les chats, ça sert à rien de visiter maintenant. Bon, les amis, on est en train de se faire avoir. Maintenant, il veut rester dans la maison. On lui a servi un verre d'eau, enfin même deux verres d'eau déjà. À chaque fois, il met super longtemps à aller boire. Il veut visiter la maison, enfin... Je parie que c'est la chambre de Lily Rose. Oui, mais comment vous connaissez nos prénoms? Mais c'est trop bizarre. Et surtout nos chats, en fait. Il a plein d'informations sur nous. Je pose des affaires. Aussi, hein. Ah non, posez pas vos affaires, c'est pas la peine, vous allez pas rester. Oui, Lily Rose, regarde, je la reconnais, hein. Oh là 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 là, c'est elle. Non, oui, monsieur, mais là, on a une priorité, c'est vraiment les chats. Vraiment les chats, là, il faut qu'on sorte tout de suite, d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas, on va les chercher, on va chercher les chats, d'accord? Oh, qu'est-ce que c'est joli, ça. Oh là là, on va jamais s'en sortir. Avant de partir, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que je peux dormir ici, justement? Dormir ici? Ben oui, il y a de la place, c'est assez grand, hein, regardez. Mais non, mais c'est la chambre de Lily Rose ici, vous pouvez pas... Vous pouvez pas dormir en dessous, là, ouais, même s'il y a des place. Coussins. Non, monsieur, je pense que c'est mieux pour tout le monde que vous restiez dehors. Allez. Si, bah comme ça, vous m'appelez Papy Pink. Oh non, c'est hors de question. Allez, prends ses affaires. Elle est où votre couverture? Oh bah je l'ai laissé en bas. Ah non, mais il faut rien laisser. Je vais pas partir tout de suite. Il faut rien laisser chez nous. Allez, dehors. Oh, allez, prends mon sac. Allez, dehors. Ah non, ça sent dehors le sac. Allez, accompagne-le vers la sortie. Prends mon sac. Bon, il traîne, il donne aucune information sur nos chats. À mon avis, il sait rien du tout. Il veut juste s'installer ici. À mon avis, malheureusement, c'est une personne qui a pas de maison, voilà. Il nous a reconnus, peut-être qu'il connaît nos vidéos, tout ça sur internet, qu'il a déjà regardé nos vidéos. Et du coup, il se dit, ah bah je connais leur prénom, je vais faire semblant d'être quelqu'un de leur famille pour rester chez eux. Sauf que il a eu une attitude très bizarre tout à l'heure. On voulait qu'il parle des chats, peut-être qu'il les a vus dans la rue, tout ça. Sauf que dès qu'on commence à parler des chats, il commence à visiter la maison, il a pris 2-3 objets dans ses poches, il a pris des trucs qui étaient sur les meubles, il a pris des objets de décoration, il a pris plein de trucs même dans nos tiroirs, il a pris une fourchette, une cuillère, il a pris du sel, bon je sais pas pourquoi il a volé le sel, il a mis dans ses poches et on dirait qu'il veut... Il veut prendre plein d'objets qui sont chez nous, c'est trop bizarre. Mais enfin, monsieur, pourquoi vous touchez à ça? Mais c'est une raquette. Regarde, vous prenez rien. Non, mais vous prenez rien. C'est joli. C'est ce que je vous disais, les amis. Il veut voler des trucs chez nous. Bon, écoutez. Je peux la voir. Non, mais on a vu. Oh, Esteban, mon petit-fils. On a trouvé le cousin, je me souviens que c'est toi. On a vu clair dans votre jeu. Donnez-moi ça. Mon sac. Vous faites semblant de nous connaître. À mon avis, vous avez vu nos vidéos sur YouTube. Vous faites semblant de nous connaître. Vous allez retourner dehors et vous allez arrêter de voler des choses chez nous. Hein. Bah non, je le vole pas, je dis que c'est beau. Non, dans votre sac, il y a quoi là? Non, on vous a vu tout à l'heure prendre des choses. Écoutez. Oh, regarde. On sait que vous connaissez rien à nos chats. Voilà, on sait que vous les avez pas vus, vous mentez. Si, ils sont juste dans la rue, en dessous d'une voiture. Oui, allez, Valentin, on le met dehors. Ouais, tout de suite. Moi, je vais vous montrer. Et votre couverture, ah non, mais il l'a laissé très loin. On vous la ramènera plus tard. Non, je vais aller la chercher. Non, vous remontez plus. Je vais aller la chercher. Allez, dehors. Oh, une corde. Je peux avoir une corde. Non, vous prenez pas de corde. Allez, Valentin, allez, dehors et partez par le parking. Allez, par le garage. Je vais revenir tout à l'heure. Vous revenez pas, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Je vais dire bonjour à Lily Rose. Bon, et Lily Rose et Peppa Pink n'ont toujours pas retrouvé les chats. Donc c'est une... Motus, qu'est-ce que tu fais là? Elle est revenue toute seule dans la regarde, c'est bon. Merci. Il est là aussi. Oh, trop bien, ils sont revenus tout seuls dans la maison. Comment c'est possible? Pourtant la porte était fermée. Bon, ça tombe, c'est Lily Rose et Peppa Pink qui sont revenus en haut. Ils ont peut-être retrouvé les chats. Bon, en tout cas, nous on devait faire une vidéo un peu mieux là. On devait faire une vidéo sur la rentrée, notre back to school, la chasse aux fournitures scolaires, tout ça. Donc voilà, on la fera plus tard parce que... monsieur! Non, j'ai oublié ma couverture. Interdit de rentrer. Oh, c'est pas possible. Bon, vas-y, poursuis-le. Oh, ok. Moi, je vais appeler la police. Oh. Bon, ça me fait mal quand même parce qu'il avait l'air d'habiter dehors, ce vieux monsieur. Mais bon, hein, en même temps, s'ils veulent des trucs chez nous. Bon, les amis, vous pouvez cliquer sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. Allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. Ça nous ferait extrêmement plaisir. À la prochaine. Ciao.